wandering hard on a crazy ride. An open road and a deep blue sky. Feel it calling me like the wind. Trust the compass down in my skin. Hello. Bon, c'est une fin de journée, on peut quand même dire hello. On parle avec hello. Aujourd'hui, on a peint. On a fait que de la peinture, mais c'est déjà pas mal. Regardez comme c'est joli. Snowball. On se projette vers le futur de ce bal. Là, on parle beaucoup de grumeaux dans les grèves, mais c'est bien plus chiant dans la fin. When I was young, my mom told me, son, that soul of yours was born to run. It's your adventure for you to choose. Just remember, don't walk straight, stay right. That's what they say to me, but I don't fit right inside the lines. On vous fait une petite présentation de la structure du mythe qu'on vient de, une fois de finir, mais qu'on a quand même déjà bien entamé. Alors on a fait toute cette partie là, tout le cadre principal dans l'atelier. Et au début on avait un peu peur parce que ça bougeait beaucoup. Et du coup, on l'a fixé à plein endroit, on l'a fixé dans le sol avec des vis. On a mis des tasseaux sur le côté dans un renfort en métal. Donc celui-là est très solide. Et à partir de ce renfort, du coup, on a créé des jonctions avec le cadre pour faire quelque chose de vraiment, vraiment solide qui bouge pas. Et honnêtement, on est trop fiers de nous. Ça marche plutôt bien. Puis Oban a eu la brillante idée de mettre des renforts en diagonale comme ça pour renforcer la structure et éviter que ça bouge. Et ça marche super bien. Donc voilà, trop fier, plus qu'à poser le sommier dessus. Et normalement, on fixe le sommier avec les petites équerres qu'on a mis là. Et voilà, trop content, ça rend plutôt bien. On commence une nouvelle semaine aujourd'hui, on est lundi. En fait, on va commencer par défaire un peu ce qu'on a fait la semaine dernière, je vous montre. En fait, donc on a fait la structure du lit, et je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo, mais on avait fait le lit assez haut, parce qu'on pensait tirer une table de dessous le lit. Mais en fait, finalement, on a changé les plans de ce qu'on va faire, et on n'a plus besoin de tirer cette table de sous le lit. Et du coup, en fait, le lit est un peu haut. Vu qu'on n'a pas besoin qu'il soit si haut que ça, finalement, on est assez proche des placards, etc. Et du coup, bah, c'est pas terrible, quoi. Donc on va rebaisser à peu près au niveau de ça, quoi. Okay. On va avoir des charnières qui arrivent aujourd'hui de Amazon, mais normalement ça arrive demain. On se retrouve un petit peu bloqué. Ben a fait toutes les découpes pour le futur siège qui accueillera les toilettes. Et du coup, on n'aura plus qu'à assembler. Et on n'a plus de tasseaux non plus, alors faut qu'on rachète des tasseaux. On rate de plein de trucs. Sur une note plus positive, on a reçu nos toilettes aujourd'hui. Donc on a pu vérifier que ça rentrait dans le premier siège qu'on a fait. Et du coup, on fait le deuxième exactement aux mêmes dimensions, ce qui nous facilite la tâche. Donc j'ai tout découpé aux mêmes dimensions. Just don't leave me. 'Cause I don't know how I'm supposed to.
Hello, hello. On a hyper bien avancé hier, on a fixé la table et les chaises, et aujourd'hui on continue les meubles, et là on s'en est sur le placard. On a mis nos portes de placard. Hop. Alors on a mis des petits blocs portes parce que c'est réglementaire et en plus ça nous permet d'avoir les portes qui se baladent pas. Hop, quand on roule ou quand on est de traviole. Voilà, ça nous fait un grand placard, on va pouvoir ranger plein de bazar. On est en train de mettre les étagères à l'intérieur du placard et on galère, c'est l'enfer parce que du coup ce mur là qui est en métal est absolument pas droit. Donc je sais pas si vous avez vu à l'extérieur du placard, on a dû découper tout ça. Mais du coup à l'intérieur pour faire les étagères c'est exactement pareil, donc on est obligé de faire des formes pour essayer de rentrer. C'est au millimètre près, on n'arrive pas à les faire tenir, on a du mal à ce que ce soit droit parce que bah, c'est un van et rien n'est droit. Du coup là on peut plus. Mourir. On est un peu mal. Voilà, c'était encore 2 semaines de travaux bien remplis, on a bien avancé. Je vous fais un petit récap de ce qu'on a fait. On a fait donc la structure du lit bien solide qu'on a un petit peu abaissé. La paroi qui sépare le lit et le reste de tout ce qu'on a fait. Le petit trou qu'on a fait ici, c'est simplement pour pouvoir monter plus facilement dans le lit. Sous le lit, du coup, les deux trous, c'est parce qu'il y aura 2 tiroirs, un grand et un plus petit, mais qui est déjà assez grand. On a fait aussi la structure des meubles hauts, donc il manque évidemment de les habiller, mettre les façades. Ensuite, la partie salon, comme dit Étienne, avec nos 2 banquettes. Alors ici, celle-là, elle n'est pas encore habillée, mais donc c'est là où il y aura nos toilettes. Elle s'ouvre comme ceci. Et du coup ça nous évitait de perdre trop de place, en fait on a changé nos plans et du coup ça nous évite de perdre trop de place, de mettre les toilettes dans une des banquettes, donc c'était vraiment pas mal. On a aussi fait la table, Étienne nous a fait un magnifique pied de table, il a vraiment fait ça comme un petit chef, super beau. Et ensuite nos dernières aventures, donc c'était le placard où on a vachement galéré, mais franchement ça vaut plutôt le coup, on est assez contents. On a pas mal de rangements et d'étagères, et ce matin Étienne a pas filmé mais il a juste terminé en s'occupant de toute l'électricité, donc il a un peu rangé tous les câbles. Bon, vous inquiétez pas, on va mettre un coffrage, hein. On verra pas les câbles comme ça à la fin, mais il a aussi commencé à tout brancher sur notre petit panneau de contrôle que vous nous avez vu installer quand on a mis la cloison du placard. Donc voilà, on a bien avancé. La grosse prochaine étape de la semaine prochaine, c'est de faire la cuisine qui sera ici. On a fait les plans aujourd'hui, enfin on a commencé à faire les plans aujourd'hui. On espère qu'on va pas trop galérer, qu'on va moins galérer que le placard. Mais bon, affaire à suivre.